mort et les terribles questions de la tombe, que va-t-il nous arriver? Quel est ce jour terrible dont Allah nous parle dans le Coran? Un jour où nous verrons des gens noyés dans leur sueur, et d'autres qui ont l'air ivres alors qu'ils ne le sont pas. Comment ne pas redouter un jour où le ciel ressemblera à du métal fondu, et pendant lequel les membres d'une même famille se fueront les uns les autres? Ce jour-là, pas moyen de s'enfuir ou de demander l'aide de quelqu'un, et tous rendront des comptes. Tous les êtres humains depuis le début de l'humanité rendront des comptes, sauf des élus parmi les élus d'Allah, des personnes qui avaient un lien très spécial avec leur Seigneur, des gens qui se comportaient avec les meilleurs comportements et qui se préparaient pour la vie future, une préparation encore plus complète que celui qui se prépare à un voyage, parce que notre dernier refuge après la mort sera notre refuge pour l'éternité. Qu'ont-ils donc bien fait pour mériter ça? En quoi sont-ils spéciaux pour qu'Allah ne leur assigne pas de comptes et qu'ils n'attendent qu'à entrer au paradis, pendant que les autres rendront des comptes? Qui sont ces gens qu'Allah favorisera lorsque tout le monde sera debout attendant son jugement? Un jour, le prophète alayhi salatu wassalam était avec les compagnons et il leur raconta qu'on lui a exposé les nations de toute l'humanité, du premier au dernier homme qui vivra sur la terre. Cette vision a été soit vue par le prophète alayhi salatu wassalam pendant un rêve, soit pendant l'ascension nocturne. Et il y a d'autres avis sur lesquels les savants divergent. Ces nations qui lui étaient présentées étaient précédées par leurs prophètes. Nous savons qu'il y a eu en tout 124 000 prophètes depuis notre père Adam alayhi salam. Comme le prophète alayhi salatu wassalam nous l'a décrit, il était sur une grande plaine, avec devant lui toutes les nations depuis le début de l'humanité. Devant chaque nation, son prophète. Il pouvait voir quelle nation avait suivi par grand nombre son prophète, par le fait que derrière les prophètes, il y avait tous ceux qui l'avaient suivi. Le reste qui ne les avait pas suivis était donc voué à l'enfer. Il a vu des groupes très faibles avec des prophètes suivis par moins de 10 personnes, voire moins de 5 personnes, avec le reste de leur peuple tous destinés à l'enfer, comme par exemple le peuple de Lot et sa terrible histoire. C'est-à-dire que ces prophètes avaient été envoyés à un peuple et seulement 5 personnes avaient suivi leur message. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit une immense foule noire. Il demanda directement si c'était sa communauté. On lui répondit que c'était Moussa et sa communauté, alayhi salam. On lui dit ensuite de regarder l'horizon et cette fois-ci, il vit une immense foule noire plus grande que la première et qui remplissait l'horizon. Puis il regarda ensuite d'un autre côté du ciel, puis un autre et tous ses côtés étaient remplis par le même groupe. Cette fois-ci, on lui dit « Voilà ta communauté ». Et parmi ta communauté, il y en aura 70 000 qui entreront au paradis sans jugement. Après avoir dit ça aux compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva et partit sans préciser qui seront ces gens qui iront au paradis sans jugement. Après avoir entendu cette nouvelle grandiose, les compagnons se mirent à discuter sur qui pouvaient bien être les gens sauvés de châtiment et de jugement. Certains disaient que c'était les muhajirin qui avaient cru en premier au prophète alayhi salatu wassalam, puis les ansar pensaient que c'était eux du fait qu'ils ont accueilli chaleureusement le prophète alayhi salatu wassalam. D'autres pensaient que ce seraient les enfants des musulmans nés dans l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ressortit donc et vit les gens en pleine discussion. Lorsqu'il comprit de quoi il parlait, il leur répondit « Les 70 000 sont ceux qui ne croient pas aux superstitions et aux mauvais augures, ceux qui ne pratiquent pas la cautérisation, ceux qui ne pratiquent pas la ruqya et ceux qui placent totalement leur confiance en Allah. » En ajoutant que pour chaque 70 000, il y en aurait 70 000 autres avec eux. Comment comprendre ce hadith? Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? D'abord leur nombre. Si pour chaque 70 000, il y a 70 000 autres, cela équivaut à 70 000 multiplié par 70 000, ce qui représente 4 milliards 900 millions de musulmans exemptés de comptes. Concernant la ruqya, cela ne signifie pas que la ruqya est haram, c'est juste que le croyant qui place totalement sa confiance en Allah préférera l'invoquer directement en laissant son sort entre ses mains que de demander l'aide d'un autre être humain. Mais tout en gardant en tête que la ruqya est absolument autorisée en islam lorsque cela est nécessaire. Pour ce qui est des superstitions et des mauvaises augures, le croyant sait pertinemment que tout ce qui lui arrive dans sa vie provient du destin qu'Allah lui a tracé. Le croyant sait donc que tout ce qui lui arrive dans sa vie dépend d'Allah, en sachant pertinemment que tout ce qui lui arrive dans sa vie ne dépend pas du fait qu'il soit né tel ou tel mois, qu'il ait croisé un chat noir ou qu'il soit passé sous une échelle. Tout cela n'a pas de sens car c'est de notre Seigneur que tout dépend. La cautérisation est un moyen douloureux consistant à brûler une blessure pour la soigner. La personne qui souffre pourrait donc utiliser tout autre moyen bien sûr halal pour se soigner, sans pour autant chercher le plus vite possible à se soigner par une méthode douloureuse, et plutôt se dire « je fais les causes et Inch'Allah je guérirai ». Ce qu'il faut retenir de ce hadith est que la confiance en Allah amène à des degrés de foi immenses, non seulement parce qu'on se laisse guider par le chemin qu'Allah nous a tracé, et qu'en plus de ça, on dépend totalement de lui, ce qui montre un lien très spécial entre le serviteur et son créateur. Bien que les épreuves de la vie soient dures, le serviteur se sentira apaisé lorsqu'il se rappellera qu'à côté de la difficulté se trouve une facilité. Nous terminerons donc sur cette parole du prophète alayhi salatu wassalam, qui nous rappelle que personne n'a reçu de meilleur don que la patience, ce qui nous incite à patienter dans nos épreuves les plus dures, même si cela peut parfois être compliqué, et peut-être avoir la chance de ne même pas être jugé.